la meilleure réglementation, c'est en fait reprendre le contrôle sur la production et sur la distribution. Actuellement, les gens, consommateurs de drogue, sont obligés d'aller se fournir de produits dont ils ne connaissent pas ni la provenance ni la qualité dans un système mafieux qui les oblige à rentrer dans la clandestinité. L'idée pour nous, ce serait vraiment d'arriver à avoir un système de production qui soit contrôlé, comme on a la même chose pour le vin, les cigarettes, qui permet d'avoir une mainmise de l'État sur la qualité des produits, et de s'assurer de cette façon que les personnes ne s'injectent pas ou ne consomment pas des produits qui peuvent être dangereux, coupés avec des substances qui sont illégales et qui sont dangereuses pour la santé, et de pouvoir les distribuer dans des endroits qui sont réglementés aussi, afin notamment de pouvoir contrôler la question de l'approvisionnement des mineurs, ce qui n'est actuellement pas le cas, et puis de permettre aux personnes usagères de drogue d'avoir accès à des produits dans un endroit qui soit sécurisé. Actuellement, l'obligation pour les consommateurs de drogue d'aller se fournir dans un endroit clandestin avec des personnes qui sont illégales, avec tout un système mafieux, renforce la dangerosité de la consommation et oblige les personnes à se mettre en danger pour pouvoir consommer des produits de mauvaise qualité. C'est ça qu'on aimerait combattre en reprenant le contrôle des produits de qualité dans un système de distribution qui soit contrôlé. Je crois que, mise à la marge, les personnes consommatrices essayent avant tout d'être en lien entre eux, mais aussi en lien avec la société. Fortement stigmatisés, ils ont le besoin de valoriser un certain nombre de leurs compétences, qui malheureusement n'est pas suffisamment mise en avant. Besoin également de retrouver des liens sociaux, des liens avec la société, que ce soit par leur ami, leur famille, ou par la mise en activité au niveau professionnel. Je pense que ces gens sont en demande effectivement fortement marginalisés, précarisés. Ces gens ont dans ce besoin effectivement de valoriser aussi leur personne en tant que personne humaine et essayer effectivement de retrouver ce statut de citoyen. Moi je le dis assez mal parce que en fait je pense que la population est très mal informée sur les raisons qui amènent les gens à la consommer. Parce qu'une fois que justement la population nous a collé cette étiquette, les gens ne voient plus que ça, quoi. C'est comme si on avait été toxico toute notre vie, et ils se poseraient même pas la question de savoir qu'est-ce qui nous a amené à ça. On voit en nous encore qu'un consommateur de drogue, c'est là où c'est encore plus difficile, quoi. Et j'ai presque l'impression que cette étiquette, j'arriverai jamais à l'enlever. Malgré tous les efforts que je fais, ça c'est vraiment quelque chose de difficile à vivre. C'est pas pour chercher du bien-être, mais pour essayer de sortir de mon mal-être, quoi. En tirant le rideau sur le regard que les gens peuvent avoir sur moi et en même temps sur le regard que j'ai sur moi-même. C'est plus du tout du plaisir, c'est pas un bien-être qu'on cherche, c'est vraiment à sortir de notre mal-être, quoi. Moi j'appelle ça tirer le rideau, c'est comme une sorte comme une sorte de mini-suicide, quoi. Au lieu de tirer une balle dans la tête, on prend des produits tellement forts que voilà, il y a le blackout à un moment et ça nous permet de souffler, de ne plus souffrir pendant un temps donné, quoi. Et voilà, si je devais conclure sur quelque chose, je pense qu'il faudrait travailler sur l'information avec la population, parce que l'ignorance amène les préjugés et les préjugés amènent ce que je viens de parler.